En y repensant, c'était pas très futé de faire exploser la raffinerie de Black sans avoir de plan. Parce que maintenant, tu regrettes? Non, je dis juste que c'était pas malin, mais reconnais que les feux d'artifice étaient formidables. C'était super quand la raffinerie a explosé. Maintenant, il suffit de sortir discrètement de cette caverne et de nous remettre en route. Il y a juste un petit problème, Ellie. Comment veux-tu qu'on sorte discrètement quand nos portraits couvrent les murs? Vous voulez que je vous dise? C'est inacceptable! Même Pronto trouve que c'est nul. Nul? C'est horrible! Il est où le super-héros? Le génie? Là, vous voyez? Ça, c'est un avis de recherche. Désolé d'interrompre l'artiste, mais il faut qu'on sorte d'ici. Et c'est justement pour ça que moi, dans ma grande sagesse, je vous ai conduit ici. Dans une impasse. Non, Cord, pas dans une impasse. Sur la route de notre liberté, chérie. Où est-ce qu'on est? Quoi? Tu ne reconnais pas le flume? La rivière souterraine? Tu sais, j'étais un vrai loup de mer dans ma jeunesse. Ça ne date pas d'hier, hein? Non, de mardi dernier. Moi, j'ai déjà entendu parler du flume. C'est une voie navigable qui passe sous Sloctera. Mais on ne l'utilise plus depuis des années. Il se rapproche! Et on ne peut pas s'échapper! On laisse nos mechas et on se jette à l'eau? J'ai une meilleure idée. Oh. Chouette! Wow! Quel crâne! J'ai modifié les vôtres aussi, le bouton jaune. Chez les Abandes se sont enfuis sur le flume. Je savais pas que nos mécabettes pouvaient surfer aussi bien. Oh, ces petits bijoux savent faire un tas de choses. Oh, si seulement elles pouvaient nous tenir au sec. Quoi? C'est vrai? Tu n'aimes pas l'eau? Disons seulement que je ne prends qu'un bain par an, et encore, quand je ne peux pas faire autrement. Eh bien moi, je trouve ça un peu gênant que tu ne prennes qu'un bain par an. Donc tu disais que plus personne n'emprunte ses chenaux? Pourquoi? Qui aurait envie de se mouiller quand on peut voyager dans le luxe à bord du Sloctera Express? Pourquoi ils abandonnent la course? Si on est à l'arrêt, pourquoi est-ce qu'on avance encore? On ne va pas tarder à le savoir. Ok, vite! Faut pas
s'inquiéter. Pronto, le marin qui a beaucoup navigué peut affirmer que le pire est passé. Le pire est passé, hein? Les mains en l'air, princesse. Vous avez osé vous introduire chez moi, Malvolio Drake, maître des mers des cavernes. Oh, 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 attendez, on ignorait que c'était privé. On est arrivé là, disons par hasard. Là, c'est la caverne du Ressac, princesse. Et j'ai le monopole sur toutes les affaires ici. Mais de quel genre d'affaires? Pour qui me prends-tu? Un comptable? Un marchand de tapis? Je suis le capitaine des pirates. Et si vous voulez passer, ça vous coûtera la moitié de vos slugs. Et si nous refusons? Dans ce cas, je pourrais perdre quelques slugs et vous servirez de repas aux requins. À condition qu'ils nous rattrapent! C'est ça le plan, Ellie? C'est bien ça. Nos mécas sont plus rapides que cet énorme paquebot tout délabré. Je ne crois pas que le bateau cherche à nous rattraper. Monsieur Watts! Ah oui, capitaine. Montrez-leur ce que peut faire un barrage de slugs des glaces. Ils ont des canons? Ils ne vont quand même pas tirer! Flex! Oh! On les a tellement distancés qu'on est hors d'atteinte! Enfin, je crois! Ne le dis pas! On est sauvés! Ah! Il faut arrêter de dire ce genre de choses. T'es prêt, Burpee? Bien joué! C'est exactement ce que je m'apprêtais à faire. Vous faites moins les malins sans vos canons, hein? Je retire ce que j'ai dit. Feu de tous les canons! Oh non! Fuyez! Ah! Ah! D'accord, d'accord. Nous avons étudié votre proposition et c'est avec plaisir que nous allons vous remettre quelques-unes de nos slugs. Oh, jolie tentative, face de taupe. Mais le prix a augmenté. Cette fois, c'est toutes vos slugs. Et votre asservissement enthousiaste. Rien de personnel, princesse. Je crois qu'il ne peut rien nous arriver de pire que ça. Oh, oh que si. Je ne sens plus mes orteils. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à décoller ces berniques. Oh, c'est pas possible. Mais c'est parce que sur un bateau, il faut frotter dans le sens inverse les aiguilles d'une montre. C'est simple. Écoute-moi et je vais t'expliquer dans les moindres détails pourquoi tu t'y prends mal et pourquoi je m'en sors mieux que toi. Tu disais que ça ne pouvait pas être pire. Attention, Moussaillon, le capitaine Drake est sur le pont. Je croyais qu'il n'y avait rien de personnel. Ne sois pas prétentieux, princesse. Je suis un pirate. Vous obligez à nettoyer le pont fait aussi partie de mes activités. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas très efficace. C'est ce que Pronto disait. Il faut frotter dans le sens inverse des aiguilles comme... Je sens que celui-là a bien mieux à faire que de frotter le pont. Vous voyez, ça c'est un homme qui sait reconnaître un marin quand il en croise un. Oui, je sais les reconnaître et tu n'en es pas un. Mais quand on est en mer, les bonnes distractions sont plutôt rares. Alors que dirais-tu d'être mon mousteau personnel? Oui, une promotion. Alors, ce titre donne droit à quel genre d'avantage? L'avantage de ne pas être jeté au requin comme ce gars-là sur la planche. Balancez-le par-dessus bord. Dans ce cas, j'accepte humblement. Alors écoute, si je te fais l'honneur de ma présence, c'est qu'il est plus que temps de passer aux choses sérieuses.
De tous mes trésors si mal acquis, celui-ci est le plus beau de ma collection. Regarde, tous les bouts d'ongles d'orteil que j'ai amassés depuis l'école de piraterie. Magnifique, pas vrai? Oh, pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que tout en moi est particulier. Les ongles ne font pas exception. Burpee, tout va bien, les gars? Vous avez des centaines de slugs là-dedans. À quoi peuvent-elles bien vous servir? À quoi? À avoir le plus de slugs. C'est le but du jeu des pirates. Celui qui a le plus de slugs remporte la partie. Laisse-les tranquilles. Ne touche pas à mon Mimki, princesse. Ce petit gars a bien plus de valeur que toute ta bande de moussaillons réunis. Il ne vous avisait pas de faire autre chose que l'inventaire de ma collection. Fang va vous surveiller. Maintenant, au travail, moussaillon. Hein? Alors, je suis juste moussaillon? Plus mousse personnelle? Oh, j'ai quelque chose de beaucoup plus amusant pour toi, face de taupe. Non. Amusant? Pronto ne veut plus du tout être mousse personnelle! Arrêtez! Écoutez, même si on échappe à la surveillance de Fang, nos mécas sont sous clé et on est entouré de requins et de pirates. Oui, et le pire de tout, c'est que pendant qu'on est dans la cale, Pronto s'amuse là-haut. Ce n'est pas la faute de Pronto, c'est la mienne. Je n'aurais jamais dû attaquer cette raffinerie sans avoir un plan. Vous détenez des individus recherchés par le professeur Flack. Livrez-les-nous et il ne vous sera fait aucun mal. On va profiter de l'occasion pour échapper à Drake. Attends, on devrait peut-être préparer un plan avant. Volonté! Que dis-tu de ce plan-là? Attention! Ah! 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 C'est fermé, on est pris au piège. Burpee, ça va les gars? Burpee? C'est un des bateaux de Black. La seule façon de sortir d'ici, c'est de se changer en boulet de canon. Eh bien, on peut y aller maintenant. Monsieur le pirate, descendez-moi de là! Pourquoi? Tu attires leurs slugs à la perfection, là-haut! Mais je suis votre mousse personnelle! Oui, et tu fais tout ce que les bons mousses font, fournir une distraction! Votre patron ne peut pas vaincre le grand Drake avec des minables comme vous dans son équipage. Vous pensiez sans doute que vous aviez une chance. Je vais vous donner une petite leçon. Ce qui est à moi, reste à moi. Ce n'est pas tout à fait vrai, capitaine. Les prisonniers sont en train de s'échapper et avec notre trésor. Enfin, ils ont laissé les ongles d'orteil. Ils m'ont piraté? Oh, on ne pirate pas un pirate, c'est de la double piraterie. Réduisez-les en miettes! Il faut recharger les canons avant de pouvoir faire feu. Alors fais-le! Tout de suite! D'accord. Il faut que je le fasse démarrer. Sinon, on n'ira nulle part. On te couvre! À ton avis, il a assez souffert? Oui. Mousse personnelle Pronto, prêt à prendre son service. Les canons sont rechargés, capitaine. Monsieur Watts, vous savez ce que j'ai toujours dit. C'est un gâchis de couler un navire quand on peut capturer l'équipage. Oui, capitaine. Libre à vous de couler celui-là. Aucun d'eux ne doit sortir de là. Vivant. À mon commandement, pointez et feu!
Les turbines fonctionnent. Alors allons-y, filons. Envoyez-moi ce bateau par le fond. Pas vu de plan de bataille aussi mauvais depuis l'école de piraterie. Barreur, 3 degrés à tribord et on lui coupe la route. Oh, il va nous mettre en pièces. Bon, on est moins armés, moins nombreux et face à un bateau énorme. Mais rassurez-vous, cette fois, j'ai un plan. On va les perdre dans ce banc de brouillard. Accrochez-vous, les amis. Il se dirige vers les récifs. Il n'arrivera jamais à s'en sortir. Ce garçon est encore plus stupide que je le pensais. On va les attendre de l'autre côté et on pourra terminer le travail. J'aurais dû essayer ce plan il y a longtemps. Des récifs ! Ellie ? Oh mince. Quoi ? Oh mais, ce n'est pas comme ça qu'on commande un bateau ! Il semble qu'il s'en tire bien. Oh ! Comment ça va ? Eh bien, tu m'as volé mon trésor, détruit mon bateau. Mais cette fois, c'est moi qui vais te pirater. Capitaine, le navire est en train de couler. Si on veut rester en vie pour jouer aux pirates, encore quelques temps... Si mon bateau coule, je coulerai avec. Et lui aussi coulera. Eh bien, le capitaine a perdu la raison, les gars. Si vous ne voulez pas servir de casse-croûte aux requins, il va falloir prendre l'autre bateau. T'es prêt, Mimki? Celui-là est à toi. Comment vous... C'est une des qualités de Mimki, princesse. Il imite à la perfection tout ce que peut faire une slug. Regardez, nos mechas sont là. Comptez sur la puissance d'une slug comme Inferna, c'est en général un excellent plan de bataille. Mais pas quand on se bat contre mon Mimki. Oui, eh bien, je suis plutôt un novice en plan de bataille, à nous deux. Vous pensiez vraiment que je relancerais Burpee, c'est ça? Non. J'ai fait des progrès en plan de bataille, on dirait. Hey, Ellie! Alors, comment tu le trouves, le nouveau bateau de Drake? Très joli! Votre comportement inqualifiable déshonore la grande tradition des mousses personnelles. Je vous rends mon balai. N'oubliez pas, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Rien de personnel, princesse. Non, mes Slugs, revenez avec mon trésor! Ça ne se fait pas de pirater un pirate!
Tu sais, Ellie, avec toutes les slugs de Drake que tu as capturées, tu pourrais te constituer un véritable arsenal. Tu as raison. Je pourrais. Mais c'est pas comme ça que je joue aux pirates. Alors, par où on passe pour rentrer à la maison? On peut naviguer sur le flume maintenant qu'on est débarrassé des pirates. Oh non, non, je refuse. J'ai pris suffisamment d'eau pour ne plus avoir à me doucher pendant 5 ans. Vous voulez vraiment sentir mon odeur quand je ne me douche pas pendant 10 ans? On va prendre la route. Oui, la route. La route, bonne idée.